chapitre 5, Jean-Alain. C'est dans 35 que nous aurons le plaisir de découvrir quelques danses, effectivement. Il y aura du jazz, on a dit, du hip-hop, qui aura peut-être des surprises. Hein. Il y aura une belle surprise. Il y aura Pascal sur scène. Eh bien, écoutez, au moins, voilà, vous avez fait votre nom, si on sait jamais. Il y aura peut-être beaucoup plus de monde. Hein. Viens aujourd'hui. Tu m'envoies, est-ce que tu viens pas sur place? Je vous rappelle donc que ce matin, bien, c'est pour ça que consacré à la découverte de tout. Nos associations et puis les affiliés du sport, bien entendu. Et puis cet après-midi, eh bien, ce sera carrément de la démonstration sur notre podium. Nous accueillerons, et bien, on va vous décider quand même pour que vous sachiez qui va se présenter. Nous aurons du sabre japonais avec le nom de la tête, du judo, avec le judo fait de congolais, le karaté également avec le HP, le stand paddle également. Moderne jazz sera bien présent, le jazz stick, la danse classique arabesque, le jazz introduction dans ses formes de la couleur, de la danse orientale, côté également, danse polynésienne, du hip-hop, des poids de vue, effectivement, nous serons gâtés. Ça veut dire qu'en fin d'après-midi, nous aurons le jeu de l'heure. Nous avons déjà découvert tout à l'heure avec Baptiste et Adam, qui sont avec nous ce soir. Voilà un petit peu le programme de cette journée. La deuxième édition du Forum des Sports pour la première année, effectivement, de la jeunesse. Eh bien, écoutez, je vais continuer à vous faire découvrir nos stands. Alors, je vais terminer pour revenir de jalon. Bonjour, monsieur le maître, on m'a dit, hein, c'est bien cela. Alors, nous sommes au stand de golf, c'est bien ça, monsieur? Informatique, généalogie, peinture, étampe, promenade, randonnée, scrabble, astuces du scrabble, ski, sortie, tarot et voyage. Donc, vous pouvez constater énormément de difficultés de 400 personnes. Belle structure, évidemment, on ne peut pas s'ennuyer chez vous. De propositions différentes, hein, et l'hybride à la fois, et l'hybride, enfin, de quoi vraiment passer le moment sympathique. Alors, en tout cas, pour pouvoir vous joindre hier, aujourd'hui, sur ce stand, et si on peut vous retrouver. Alors, nous avons donc différents sites internet, hein, donc si nous rentrons dans des associations de l'UVDC, et nous sommes également à l'école de la rue, donc sur Paval, où on peut nous joindre dans cette école. Voilà. Très bien, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut sur ce stand de l'Unifête qui vont bien, les players qui nous donneront donc toutes les possibilités pour venir les rejoindre avec votre téléphone, avec également le site internet, hein, ce qui est important. En tout cas, vous êtes bien présents avec nous aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui en veulent plus, savoir plus de détails, il faut dire votre nom. Jacques, vous pouvez voir Jacques directement sur place et qui vous dira bien de quoi il peut vous proposer, sachant qu'il y a du choix. Très bien, je vous remercie en tout cas. Merci, au revoir. AMB, vous êtes le président? Chantez, monsieur le président. Donc, vous nous proposez un parcours d'initiation au golf. On peut vous retrouver où? Alors, vous pouvez nous retrouver à notre permanence. On se tient le samedi matin de 10h à midi au 1 Allée Jean Moulin à Vendeur. Et nous avons entre autres une section golf très active qui aujourd'hui comprend 140 membres. Donc aujourd'hui, sur notre stand, vous pouvez nous initier au putting qui est un des éléments forts du golf. Alors, si vous voulez vous initier au putting et si vous réussissez, eh bien, on vous fera faire une séance d'initiation
Voilà la question d'actif, et on sert beaucoup dans les bureaux, les grands PDG. Ouais. On va s'arrêter les sortes. En tout cas, merci de votre... Je crois que j'en ai vu un dans le bureau de Là, je vous laisse donc mettre vos dits. En tout cas, merci de votre gentillesse. On peut vous retrouver donc pour une session. Merci. Eh bien, comme quoi que le forum permet effectivement aux personnes de venir vous rejoindre, donc n'hésitez pas à continuer, venir vous renseigner sur la CB Mandol, les parcours à partir donc d'initiation de 40 km jusqu'à 120 km. Il y a beaucoup de monde sur ce temple, avec beaucoup de réussite, avec le fait que le président est en grande forme. On m'appelle. Je reviens. Nous sommes en train de Elles étaient bien gardées. Elles sont restées auprès chez nous. Hein. Ah oui, oui. Je reviens. Ah, il faut pas. Hein. Je suis incognito là. Alors, dites-moi, je suis où là? C'est. Eh bien, là, c'est dans le stand de don du sang. Le don du sang, d'accord. Ouais, ouais. Il y a. On profite. Il y a une séance qui est organisée là. C'est le mardi. Mardi qui vient là, non? Voilà, mardi prochain. Voilà. Il y aura notre collecte de 8h à 12h30. D'accord, ben je l'ai mis sur le blog aussi, je crois. Ah, ouais. Avec, maintenant, il y a un partenariat avec la mairie, j'ai voilà, vu sur le site de la mairie. Depuis fin 2010, ils avaient signé le partenariat. Voilà. C'est bien. Ça va, il fait beau, tout se passe bien. Ça va, pas trop chaud. D'accord. Ça va. Ok, bonne continuation. Bonjour. Bonjour. Nous voilà donc avec Maryse. Oui, Maryse qui est la présidente de l'OMCAL. Qui s'occupe l'OMCAL, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Culture, animation, loisirs. Parlez un peu plus fort. Culture, animation, loisirs. D'accord. Et donc là, le stand, c'est... il y a des femmes dans ce, ce club. On est majorité de femmes et ça marche très bien, je vous signale. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas d'hommes, c'est ça? Ça marche bien. Parce qu'il n'y a pas d'hommes. Moi, j'en vois un là. On a quelques hommes, vraiment, c'est majorité des dames. D'accord. Ah, d'ailleurs, elle pose tout. Elles sont magnifiques. Alors, il faut savoir que chez nous, il y a 24 ateliers quand même. D'accord. Donc, 20 gratuits. D'accord. Et je crois que j'ai vu passer une information. Vous ouvrez un nouvel atelier de country. Alors, non, la country, ça existe déjà. Oui. C'est pas connu. Non, mais je veux dire, hein, au stade de Ferrari. Alors, les cours reprennent peut-être. Ah, non, c'est ça. Voilà. Les cours ont repris et il y a 4 sections country. D'accord. 2 au stade de Ferrari. Et 2 au Carré des Jeunes. D'accord. Le Carré des Jeunes, ça se déroule de 18h30 à 22h. Voilà. Je compte sur vous si vous avez des infos pour les mettre Je vous les passerai, hein? Pour les mettre sur votre. Pas de problème. Ça va. Merci Maryse. Bonne journée. Ah, je vois des armes partout là. Je suis où là? Expliquez-moi. Dans ce classique. Danse classique. Non mais sans rire, on peut avoir des précisions, c'est l'association, quelle association? CFTDP, Centre de formation en technique de défense professionnelle. Technique de défense professionnelle, qui existe à Bandol depuis quand? Plus communément appelé Krav Maga. D'accord, et ça existe à Bandol depuis quand ça? Depuis un an et demi maintenant. D'accord. Depuis un an et demi. Et il y a combien d'adhérents dans cette association? On avoisine la quarantaine là. D'accord. Et les entraînements se déroulent où? Alors les entraînements se déroulent le mardi au gymnase de 17h à 19h. D'accord.
le jeudi de 9h à 12h réservé aux forces de l'ordre, parce qu'à la base c'est un centre qui a été ouvert pour les forces de l'ordre, police, gendarmerie, douane, sécurité. Forces de l'ordre spécifiques à Bandol ou qui on veut dans la région, dans le Var. Dans le Var, on se déplace même pour former des polices pour tout vous dire, dans d'autres départements, que nous aurons le plaisir de découvrir cet après-midi à 14h35. Avec une démonstration de karaté. Mais ce n'est pas que du karaté. L'île de la Réunion. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi consiste donc ce foyer des nations populaires. Alors le jeudi, pourquoi c'est réservé aux forces de l'ordre? Parce qu'on travaille avec de l'armement. Et on travaille. On associe le Krav Maga avec des déplacements tactiques. Rappelez-moi ce que ça veut dire, Krav. Krav Maga, self-défense israélien, c'est de la self-défense avec des coups portés. D'accord. Avec des percussions, des coups d'arrêt. À l'origine, ça ressemble plus à quel sport qu'on connaît un peu plus peut-être? Un mélange de self-défense et de boxe. La boxe anglaise? Oui, boxe. Self-défense. Boxe, d'accord. Des percussions. Des coups portés à main nue, avec les mains. Tout à fait. D'accord. Sur des parties du corps. Ou, et vous êtes instructeur dans ce club? Il y a un président? C'est moi-même. Il est un président, instructeur. Il fait tout. Le ménage. Et le samedi, donc de 9h30 à 12h, à la salle des jardins. Salle des jardins? Dans la rue des jardins, oui. Dans la rue des jardins. C'est la salle de judo. Salle de judo. D'accord. Et le mardi, c'est au, je vais prendre le... c'est au gymnase. C'est la petite salle de l'ancien gymnase. D'accord. 35 ans. Merci beaucoup. Dure, c'est bon. Merci. Signe, en général. Bonne continuation. Donc, on peut venir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que. Oui, bonjour. C'est parce qu'autrement, je suis obligé de me baisser. Ah, d'accord. Longue mer. Alors, dites-moi, je suis où, là? Bandol Jeune, j'ai dû marquer. Ça consiste en quoi, l'association Bandol Jeune? C'est pas l'association, c'est pas une association. Service mairie. C'est un service mairie. Donc c'est pour, d'accord. Les ados, pré-ados et adolescents de Bandol. C'est vous qui tenez un local derrière le gymnase? Voilà, derrière le gymnase et à côté de la SNB, la SNB et la capitainerie. Ah d'accord, ça, la SNB c'est récent je crois, avant c'était notre service. La société Nogique. Non, on est à côté de la société Nogique. Juste à côté, d'accord. Et vous faites, apparemment d'après les photos, vous avez pas mal d'activités. Voilà, on a pas mal d'activités, donc on a un centre en haut pour les pré-adolescents, donc 11-13 ans, on fait des activités... manuel, tout ce qui est pour les jeunes. Sportifs, on fait des mini-séjours. Je crois que c'est Sylvie Loger qui s'occupe de vous, hein, la jointe à la jeunesse. À la jeunesse, au sport. D'accord. Donc voilà, il y en a un centre combat pour les adolescents. Et là, votre présence ici, c'est pour informer les gens de ce que vous faites, de votre existence. Quelques personnes nous connaissent quand même, mais. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'on vient là, c'est la première pour la jeunesse. Il faut des équipements, hein. Il y a des équipements indispensables, c'est des chaussures, vous de vous présenter, d'accord. Et vos, comment dire, vos activités, c'est toute l'année, en période scolaire, en période de vacances également? On est ouvert tous les jours, d'accord. Du lundi au samedi. D'accord. Donc tous les après-midi. On peut trouver les renseignements sur le site de la mairie. Voilà, sur le site de la mairie, on a un Facebook aussi si vous voulez. Ah c'est, d'accord, bah, dites-moi le nom. Bandol Jeune. Je crois que je le connais, voilà. Ouais, mais je mettrai le lien sur le blog. Très bien. Pour vous qui avez envie de voir les photos, les d'accord. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup pour les infos. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sur le stand. C'est un film. Tennis Club de Bandol. Un Tennis Club de Bandol. Voilà. Et vous êtes, monsieur le président? Monsieur Sabatier. Vous êtes le président? Oui. D'accord. La vice-présidente, madame Ferré. D'accord. Le Tennis Club, c'est un des clubs les plus importants, oui, au nombre d'adhérents, je crois. Que c'est la deuxième association, je pense, de la commune. La première, c'est laquelle? Je pense que c'est le... C'est la SND. Oui. D'accord. Bon, après, sous réserve de... Non, mais le Tennis Club... Je veux pas non plus. Vous avez un... trop de pub, hein. Vous avez un cadre magnifique, hein, là où vous êtes. Hein, c'est vraiment exceptionnel. C'est un joli cadre qui est très apprécié de tous. Tout à fait, oui. Il y a et l'été, de plus particulièrement l'été, des personnes étrangères, parce qu'il faut... Oui, mais alors en soirée, alors. Avec pratiquement les pieds dans l'eau. Tout à fait, oui. Ah, mais en soirée, parce que moi, il m'est arrivé d'y jouer, mais pour jouer à midi, d'abord, c'était facile. Il n'y avait personne. Il faisait peut-être... Oui, mais... À partir de midi, vous n'avez aucun problème. Voilà. Parce que pour jouer, parce qu'il fait très chaud. Il fait chaud, donc il y a c'est vrai que c'est très dommage. Vous avez 8, 9 cours? 8 cours. 8 cours, hein.
Et le nombre d'adhérents alors c'est, ben, c'est 350 adhérents, 200 adultes et 150 enfants. C'est énorme, hein, c'est bien. Énorme, je dirais pas ça comme ça, mais c'est beau. Ben, c'est beau. C'est 5% de la population bandolaise, voilà. Plutôt. Vous avez tout dit. Écoutez, merci pour les, ben, les infos. C'est toujours ouvert? Comment? Le club, il est toujours ouvert? Oui, oui, ben, il a des heures d'ouverture, bien sûr, mais pas jour et nuit, toute l'année. Toute l'année. Non, pas jour et nuit, tout à fait. Donc, il ferme à peu près entre midi et 16h30. D'accord. Voilà, pour laisser souffler les gens. Et puis, c'est la période où on joue moins parce qu'il fait très chaud, cette période-là. Voilà, sinon, il est toujours ouvert, il est accessible à tous. D'accord. Voilà, il y a un très bon accueil, il n'y a aucun problème. Les renseignements sont donnés sur place et il y a une bonne intrigation pour les gens qui viennent de... Il y a, comment dire, un site du Tennis Club de Bandol? Oui, tout à fait. Oui. Il y a un très très beau site qui est en train de se refaire d'ailleurs. D'accord. Un visage très beau. D'accord. Très beau site. Tout est mentionné dedans. Et où nous allons y rajouter d'ailleurs nos statuts, notre règlement intérieur. Donc il n'y aura plus aucun mystère pour personne. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne journée, bonne continuation. Merci. Bonjour. Bonjour. Là, nous sommes sur le stand de l'Union Sportive Bandolaise. L'USB, l'Union Sportive Bandolaise, et voilà. Vous êtes Franck Bertoncini, le vice-président, l'entraîneur des seniors. Et qui c'est le président? C'est M. Frédéric Lapassé. D'accord. Voilà. Le club il marche grâce à Frédéric Lapassé, à Dolores Guinot et à moi. Nous sommes les trois comités. Donc l'USB, donc l'Union Sportive Bandolaise, qui s'occupe plus particulièrement du football. Tout à fait. Et le nombre d'adhérents? Plus de 200, nous sommes dans les 220 et 130 pour le moment. D'accord. C'est de quel âge à peu près? Ça part de 5 ans jusqu'à 77 ans. 77 ans, vous avez des joueurs aussi? Oui, après 77 ans, mais ça va tout à l'heure. J'ai une équipe vétéran cette année. D'accord. Il me semble qu'il y a parfois des tournois de commerçants qui sont organisés, non? À une époque, ça se faisait. Ça ne se fait plus, ça? Non, ça ne se fait plus. Ah. Les commerçants ont vieilli peut-être, non? Ben, je ne sais pas si les commerçants ont vieilli, mais bon, donc, il y a eu un gros souci. Nous, on qu'on a organisé, donc on préfère l'arrêter. Parce que d'accord. C'était plus convivial comme à l'époque. C'était vraiment les garçons de bar, les garçons du personnel qui faisaient ce tournoi avec les patrons. C'était vraiment convivial, il y avait des petits de tous les âges. Mais à la fin, c'est un tournoi un peu plus pro-sportif, plus d'enjeux qu'autre chose. Et on a eu des soucis, donc voilà. Donc on a préféré l'arrêter. Bon, il y a eu des soucis, on a arrêté. Non, bon, pour lancer avec les cartouilles de minuit, on verra. D'accord. Nous avons une équipe féminine. Il y a une équipe féminine, voilà, d'accord, ouais. Qui a gagné deux fois la finale à Coupe du Var. Ah, je vais faire un petit. Ouais. On va. Vous voulez venir? Non, je peux passer. Allez, venez. Donc, tous les mercredis, grâce à l'appui du district du Var, nous allons organiser des sessions sur le stade pour les féminines. Donc, ouvert de Jean-Pierre. 6 ans à 13 ans, comme c'est marqué. Donc, toutes les filles de 16 ans à 13 ans qui sont intéressées pour faire du football. Franck, nous aurons un atelier. Il y a un professionnel, là, Jean-Pierre, qui va vous interviewer. Tout à fait. Nous allons. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, ça fonctionne, voilà. Nous avons donc le stand. Le stand, c'est USB, c'est un cher ami. Nous avons donc aujourd'hui un stand qui existe depuis 1922. C'est pas d'hier, ça. Quand ça vient comme ça, c'est aussi en général. Donc nous avons une photo, c'est bien ça, à nous proposer aujourd'hui. Alors on voit sur cette photo que d'un côté, vous avez donc une équipe masculine, de côté féminin, mais en réalité, tout le monde peut se mélanger. Simplement, c'est parce que. Alors, catégorie d'âge, par exemple, pour les deux voisins qu'on voit ici, c'est du quel âge et quel âge? Ça, c'est des seniors. Seniors. 18 ans et plus. Oui. Ils ont gagné deux fois la finale, tu vois. Et après, jusqu'à on n'est jamais 13 ans, ils sont mélangés avec les garçons. C'est après qu'on passe à faire l'autrie, on ne sait pas, on fait des féminines à part. D'accord, donc ça, c'est bien organisé, on voit ça. Vous jouez sur quel stade? Le stade de ma fête, je ne sais pas. Tant qu'à faire. Et c'est régulièrement, vous avez des matchs organisés régulièrement? Tous les week-ends, il y a des matchs de jeunes, des filles, on va à l'extérieur, on va aussi, mais tous les week-ends, le stade de ma fête. D'accord, et pour s'inscrire, donc, quel est le procès pour venir sur le stand, le jeune frère? Sur le stand pour l'enseignement, et tous les mercredis, au stade, nous avons un secrétaire qui reçoit tout le monde pour l'inscription. Très bien, aujourd'hui, on a des collectifs, vous avez des remplaçants? On a plus de 230-240 adhérents. Ah oui, c'est quand même la belle équipe de 100, oui, madame Abelier, vous avez raison. En tout cas, c'est ma cousine, c'est ça. Pardon. Ma cousine. Oui, bah, il ne faut pas dire que c'est dans ta vie, mais en tout cas, on voit qu'on peut venir s'inscrire. Alors, moi, je suis curieux, si vous êtes, c'est quoi tout ça? Sur votre cahier. Alors là, c'est une pétition parce que c'était une appareil, c'est un ancien appareil, il y avait des journaux,
Donc on a mis les petits en place pour faire que la justice fasse mieux son boulot et qu'on montre qu'en France aussi sont mobilisés pour cette action. Ça, c'est très, très bien de votre part, je trouve, effectivement. Elle est disponible à plusieurs autres commerçants mandolins, qui ont participé à l'inauguration. Donc, il y a la pharmacie Caplan, la pharmacie à Pont d'Azur, le supermarket, Superru, le bar Le Chiron, derrière nous, et le bar Le Pays. Et le Pays de la Gâte, qui est en logo aussi. La solidarité est importante dans ces cas, dans cette peine. En tout cas, vous avez bien fait de mettre ce livre à disposition pour venir signer cette pétition. Et ce soir, au gymnase de Mandol, il y a le premier match de basket de Mandol. L'entraîneur de basket était le coach de Mandol, donc il y a un hommage qui est fait ce soir pour le gymnase. À quelle heure ? À partir de 20h. À partir de 20h, bon, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller les retrouver. En tout cas, le forum sera fermé, terminé, donc on pourra tous vous retrouver sur ce lieu. Merci de votre accueil, en tout cas, et puis bonne continuation. Bonjour, nous sommes sur le stand de Action dans ses formes. Qui consiste en quoi exactement ? Dites-moi. Ben, c'est des cours de gym, d'aérobic, de stretching, de danse, modern jazz. Et en fait, on a fêté nos 30 ans d'existence. Donc cette année, on fait notre 31e année. Et d'autre part, on a fait une nouveauté cette année, c'est qu'on va faire de la Zumba. Donc, ce sont des mouvements de gym qui sont sur des airs de salsa, de samba, reggaeton. C'est pas pour les papis et les mamies, ça? Pas du tout. Ça commence de 3 ans jusqu'à 77 c'est ans. C'est une danse relativement, rythmée. Rythmée, oui, voilà. Dynamique. Qui demande une condition... Pas spécialement, non, parce que justement, on fait des cours de maintien et d'aérobie qui permettent justement de tenir le rythme et normalement il n'y a aucun problème. En fait, les phases, il y a des phases rapides et des phases lentes. Les phases lentes, c'est les phases de récupération où on va travailler le stretching et après phase rapide, là on travaille le fitness en Zumba et après on repasse sur les abdos, les fessiers, donc à nouveau phase lente, donc ça permet la récupération. D'accord. Et la deuxième heure, donc là on passe à ce qu'on appelle vraiment les déplacements chorégraphiques. On va voir des chorégraphies modern jazz, des chorégraphies salsa, comédie musicale, on touche un petit peu à tous les styles de danse, hip-hop, voilà. Vous avez combien d'adhérents dans votre association ? On doit être 70 à peu près. D'accord. Et il me semble vous avoir vu, vous avez fait des spectacles cet été là. Hein, voilà, on a fait l'avant-première de Béja le 13 août. Notre gala de danse. Notre gala de danse le fin juin, c'était le 26 juin. Voilà, salle Jules. Et il y a quelque chose de prévu là ? Ben là, on va préparer déjà le Téléthon. On va faire un petit gala pour les enfants défavorisés au Théâtre Galli au mois de janvier. Puis après, on prépare notre grand gala de fin d'année. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie. Vous avez peut-être un message à passer plus particulier Ben, venez mardi prochain. C'est un cours gratuit. Vous pouvez essayer. Ah, ça se passe où, le cours gratuit ? Alors, c'est au Stade de Ferrari, à la salle de danse du Stade de Ferrari. À quelle heure ? À 14h pour les adultes ou à 19h. Ça dure 2 heures, 14h, 16h ou 19h, 21h. Et pour les enfants, c'est à partir de 17h. Et les tout petits, c'est le lendemain, mercredi à 14h. D'accord. À partir de 3 ans. Et venez, parce que franchement, il y a une super ambiance et c'est une équipe très sympathique. Voilà. Il y a des hommes avec vous ? On a des hommes. Il n'y en a pas beaucoup, non ? Il doit y avoir beaucoup. Oui, il y en a, voilà, ce soir. D'ailleurs, venez, on attend que vous. Ah, mais je ne peux pas filmer et faire en même temps la Zumba. Mais si, vous pouvez le faire. Les deux ? On mettra sur pied. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci. Alors là, on est club affilié au Judo Club Mandolais. Oui. C'est un des plus vieux clubs encore avec l'USB, non? On a commencé en 1975. 75. Ouais. On a fêté les 35 ans du club il y a... Ah, 35 ans, d'accord. D'accord. Parce que moi, je le connais pour y avoir amené mon fils. Oui, je me rappelle de peut-être. J'ai vieilli. Non, mais tous, alors, aussi, vous avez combien d'adhérents au club de Judo? Là, on vient de démarrer, on a fait 5 cours, on a 50 élèves. Hein,
50, là, c'est bien. Ça marche fort parce que peut-être lié au championnat du monde, qui vient d'avoir lieu à Paris cet été. Ah oui, on a un champion du monde, 4 fois, 3 fois champion du monde. Des Rainers. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a eu 4 champions du monde à l'individuel, et les équipes garçons et filles champions du monde. C'est exceptionnel. Ouais. Parce que l'athlétisme n'a pas trop marché, le rugby, bon, on ne sait pas, il faut voir, je ne sais pas le résultat. Mais, ça a boosté un peu le sport, là, le judo, hein, c'est bien. Pour les Rainers, en plus, c'était les Rainers. Vous êtes instructeur, vous êtes professeur du premier état, professeur. Deuxième degré. D'accord. Et vous êtes nombreux comme professeurs dans le club ? Que deux, j'allais dire. Deux. Ouais, c'est pas mal. Et les cours se passent Mardi, vendredi, soir, de 17h à 20h, à Salle des Jardins. La rue des Jardins. Derrière la restaurant Pinocchio, là. Voilà, derrière. Salle des Jardins, rue des Jardins. Ouais. En plein centre de Bandol, en fait. Oui, hein. Rue Docteur Marçon, et après... La salle a été refaite récemment. Ouais, il me semble que le tapis a été tout refait. Ils avaient repéré les murs. Non, ça, c'est un bon point pour la mairie qui s'occupe quand même de tout ce qui se passe. La mairie est fort avec nous. La subvention, tout ça. Là, on est vraiment heureux. Hein. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Il y a un message particulier à passer, non ? Non, ben, merci à la mairie déjà pour la mise à disposition des installations. On a remarqué un petit coup de maintenant, mais bon, c'est modique. Et voilà. Je crois qu'il y a une salle de muscu aussi au-dessus. Salle de muscu, ouais, c'est ça. C'est nous qu'on avait fait acheter au service des sports les appareils, d'ailleurs, que j'avais un copain qui avait arrêté à Toulon. Et une magnifique salle de muscu. Mais bon, elle sert exclusivement, c'est pas une aux salle adhérents. De muscu. Hein, voilà. Aux adhérents. C'est une activité complémentaire aux activités. Du judo. Ouais. Judo et autres disciplines. Alors, pendant les entraînements, certains entraînements sont spécifiques pour la muscu. C'est-à-dire que nous, par exemple, le cours de 18h à 19h, de 19h à 20h, c'est des grands. Ils viennent à 18h. Il faut dans les muscles, d'ailleurs, monsieur le maire est souvent présent parce qu'il fait de la musculation, il est costaud d'ailleurs. Et donc, ils font une heure avant du muscle et après ils font le judo dans la foulée. D'accord. Je crois d'ailleurs que notre maire, monsieur Palix, il a une ceinture de karaté ou de judo. Je ne sais pas. Il me semble qu'il me l'avait dit. Il fait de la musculation parce qu'il pousse. Il fait la muscu, je sais, ouais. Pousse fort. Les élèves, ils montent, ils disent oula, il est costaud, hein. Je dis monsieur le maire. Très sympathique d'ailleurs. Ok. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, bonne continuation. Il fait beau, il n'y a pas de vent. Ça va. Il fait pas trop chaud. L'année dernière, le vent. Ça va. Ça laisse. Eh oui, c'est le problème ici. Hein. Bon, quand il y a du vent, il fait beau hein, aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Merci. Bah, au revoir. Nous voici devant un autre stand, le stand de Bandol Chloro. Avec le président, je crois. Non, pas le président. Je suis le trésorier. Le trésorier. Et vous vous appelez comment ? Jean-Michel Moreau. Jean-Michel. Donc Jean-Michel qui est donc le trésorier de Bandol Chlorophylle. Voilà. C'est un club de VTT apparemment parce que je vois deux superbes machines. Là. Il faut avoir les cuisses pour pousser certainement pour pédaler avec ce genre d'engin. Dites-moi quelles sont vos activités principales. Alors nous on fait du VTT, c'est-à-dire on fait essentiellement du all mountain. All mountain, c'est-à-dire on en bave en montée et on en bave aussi en descente. Ah d'accord, les deux. Ça s'adresse à quel public ? C'est quels tout public, on commence à partir de 16 ans pour les jeunes. Jusqu'à après, il n'y a pas d'âge après, ça dépend un peu de la forme physique de chacun. 16 ans, c'est l'âge minimum. L'âge minimum pour, Pour pratiquer le club, d'accord. Pour le club. Parce que les courses, ça commence à partir de cadet pour l'enduro. D'accord. Pour les courses enduro, ça commence à partir de cadet. Il y a quelques courses qui sont encore organisées en VTT dans la région, et en particulier le Roc d'Azur, vous y participez On a des participants du club qui font la course. Qui y vont ? Oui. Mais donc ils vont courir avec le maillot du club ? Oui. D'accord. Il y en a beaucoup ? Il y en a combien ? Il devait être 4 pour l'instant. D'accord. Très bien. Et là je vois un jeune homme. Jeune homme, s'il vous plaît. Vous voulez dire quelques mots ? Bonjour, votre âge ? 14 ans. Votre prénom ? Maxime Morin. Maxime, hein, donc le fils du trésorier. Alors. Et il y a longtemps que vous pratiquez le Ça va faire 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans ? Et vous faites des courses, vous aussi ? Oui, j'ai pas beaucoup de courses cette année. Mais oui, après, l'année prochaine, je commence vraiment les courses. Des courses qui... la course que vous pratiquez plus particulièrement, c'est quoi exactement On a pensé à l'enduro. L'enduro, quelle distance c'est... Après, suivant les courses, ça dépend. Il peut y avoir beaucoup plus de distance dans une course que dans l'autre. Ça... Avec des dénivelés importants beaucoup plus importants, ça dépend. D'accord. Et l'enduro, je crois que c'est un sport où il faut être protégé. Oui, très protégé, oui. En protection genouillère, coudière et casque aussi. D'accord. Et les gants. D'accord. Et voilà.
Ok. Bon, ben, je crois que monsieur le maire est à côté. On va, peut-être il va dire quelques mots. On va l'attendre. Merci en tout cas. Merci. Il va bien ? Oui. Ça va bien ? Très bien, très bien. Tout marche bien. Tout marche bien. Ici, ils vont venir à 2h. Oui, il y a 2h. Oui, il y a un groupe qui va venir pour faire la rentrée à 2h. Voilà. Alors, ici, voilà. Je crois que, monsieur le maire, si je peux me permettre, il y a quelque chose de bien avec Bandol Coro. Ils n'ont pas besoin de salle. De salle. Ah, de salle. On a une équipe de jeunes qui marche pas mal. Donc on a Maxime qui a terminé premier l'enduro de Cassis cette année et deuxième au port du Mercantour dans la catégorie minime. Et puis maintenant, là, cette année, il va passer en catégorie cadet. Donc là, ça ira beaucoup plus de courses et on va pouvoir voir un petit peu les résultats qu'il va essayer de nous. C'est bien d'intéresser les jeunes et d'avoir. Voilà. Il y en a d'autres derrière qui arrivent, qui sont derrière aussi, qui poussent et qui commencent à se prendre au jeu. Dans les régions sportives, il y a un hiatus entre les jeunes et les adultes. Et là, vous avez une continuité et une harmonie qui est très bien. On essaye. Parfait. Bon, allez. Merci, monsieur le maire. Bonne journée. Merci, Jean-Michel.